Brême la voile avant elle. À l'avant elle. Ouais, mais sur votre pêche là, vous pouvez. Il y a 4-5 000, hein. 4 000, je pense, que vous pouvez faire. Bon, les poissons ne sont pas sauvés, c'est l'essentiel. Parce que si vous faites un, c'est bon. Hein. Et si vous faites deux, vous serez peut-être sur le podium. Voilà. Antoine, si vous faites deux, Antoine, il vous passe devant. Voilà. Il va faire pas du tout le secteur. Et je pense peut-être même de tout le concours. Partis comme ils sont partis. C'est ton relevé ? C'est relevé qu'elle te l'a fait ? Ouais, c'est relevé. Ben non, mais justement, je comprenais pas, j'ai pas vu s'enfoncer. Ouais. Et là, vous êtes redevenu sur votre plombée agressive, je suppose. Maintenant, pas. Il faut pas le faire là. Parce que j'ai des herbes, alors... T'occupes, c'est pas grave. J'ai des herbes au bord. Tu pars, bien sûr qu'il va... Il a harponné, on dirait. Non. Il s'était entouré, alors. Où? Ah, en face, vous pouvez pas vous battre. C'est imbattable. Oh, il arrête pas. C'est des brèmes, ouais. Ils sont là-bas, hein. C'est sûr. Bonne nouvelle. Ouais, mais... Non, mais... Là, ils sont en plus rentés sous la canne. Au début, Antoine les a fait anglaises, et là, maintenant, ils sont sous la canne. Et je pense que c'est vous qui gagnez, on m'annonce que c'est vous qui allez gagner ici, quoi. On voit bien tout. Si, si. Hier, on sait que les boîtes sont pas grand-chose. Non, mais je pense que, parce que mes mécanistes, ils le disent, ils ont pendant une heure, ils en ont pas fait, donc ils disent, vous avez une heure d'avance. Maintenant, ils rentrent, ils sont comme vous, ils sont en train de se garer. Vous avez fait des carassins, je suppose? Non. Que des petits poissons? Ouais, que des petits. Ouais, enfin, ils en ont que deux, hein, des carassins. Ouais. Bien, hein. Et combien de boules d'abord pour l'instant? Alors là, on a mis 7 un code. Oh, la pêche à l'économie. Bah écoute. Ah oui. Bah oui, mais bon. Ça m'étonne pas. S'ils tournent bien, ils peuvent vous battre. Hein? S'ils tournent bien aux petits poissons, maintenant, ils peuvent vous battre. Pourquoi? Si, si. Nous passer devant. Oui, mais après, gardez ça pour vous parce que là, on en est incapable. Bah, oui. Si. Voilà. Tiens, j'ai cassé mon écran. C'est une vraie en plus.
Ouais, il faut y aller doucement. Bravo Patou. Moi c'est lui. Ah, c'est toi qui l'as, c'est ton épuisette, c'est toi. La mauvaise foi. Ouais, ouais, c'est des vrais. Bon, maintenant qu'il les a enquillés, il va devenir dangereux. Tiens ta ligne. Oh là, mets-la avec la tête d'épuisette comme j'ai vu faire. Parce que là, ah, il est malin, il l'a mis dans la sabourie. Tant pis, elle sentira mauvais. C'est pas si mauvais que ça en fin de compte la terre alors. Ah, j'étais persuadé que de toute façon s'il y en avait t'en ferais une. Arrivé. Tu l'avais arrivé? Ouais, ouais. Ah ouais. Ça, c'est pas un coup que j'avais, c'est une petite hier. Parce qu'on a ramassé avec des acacènes hier. Bah, écoutez, hein. C'est bien, très bien, très bien. Vous embêtez tout le monde, mais c'est bien. Mais vous n'avez pas une grosse pêche derrière, c'est ça, hein. Comment? Pas trop, non? Ouais, c'est ça. Si t'en fais une deuxième, t'es tranquille, je pense. Mais... Voilà, déjà. Là, ouais. Déjà, je pense que... Là, déjà, dans ce secteur-là. Ouais. Oh, fait 2000. Ouais. Ça aide. Oui, ça va aider, mais hier... Merci de l'avoir fait devant moi, en tous les cas. Ça, c'est... Ça compte double, normalement. Faut en parler à la pesée. Hein. Tu vas l'en... Il n'y avait pas de gros poissons, donc... De toute façon, vous restez dans votre pêche, et puis voilà, quoi. Ouais, j'essaierai le dernier quart d'heure, vraiment. Si je n'ai pas un bon poisson, parce que tant qu'ils arrivent, c'est un problème. Attendez de voir des bulles. Ouais. Vous le verrez mieux, vous saurez mieux de l'analyser que moi. C'est ouais. Ce qu'il vient de me dire. Et c'est simple, quand vous ne ferez plus de gardons. Oui, on a un petit peu à prendre. Ouais. Non, mais vous tournez bien, attends. Écoutez, au pire, vous êtes trois et moi, je vous vois devant. Pour l'instant encore, sauf s'ils en refont une. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a réussi à faire quelques poissons. Un peu dur, mais... Et tu fais à peu près pareil qu'hier, j'ai l'impression, c'est ça? Avec la recette magique. Ouais. Annonce gagnant. Bah, un peu tout le monde, ils disent que. Il n'y a pas de gros poisson. Bon, bah alors, s'il n'y a pas de gros poisson. On a été à peine 2 heures avec 5 poissons. Ouais. T'as eu un trou. Les gros poissons, c'est Antoine qui les prend. Après, les gros poissons, il faut aller voir la voile. Oui, oui, oui. Ah bah, oui, mais c'est pas Antoine, c'est maintenant c'est plus Antoine, c'est... Kevin, maintenant. Ah oui, c'est Kevin. Ah, mais... Et il est fait à la canne. Quand vous faites un gardon, il fait une brème, lui. Elle fait 1500. Nous, ça fait 10 grammes, lui, ça fait 1,5 kg. 1,5 kg. Après,
pas voir la même pesée à la fin. Mais de toute façon, je vais aller voir la pesée d'en face. Moins 50 kilos. Ah, ah oui, là, je pense que c'est en guerre, sur 30 et 50 kilos. Et Manu et Mickaël, ils prennent quoi? Attends, Manu. Je suis encore sur un autre vidéo. De toute façon, Nord, ton numéro 2. Moi, je peux dire que votre première demi-heure, d'en face, vous étiez impressionnant. Non, le seul truc qui peut vous faire mal, c'est vos voisins s'ils font des gros poissons, s'ils font deux gros poissons, un truc comme ça maintenant. Oui, on m'a dit, oui, Paturo en aurait fait deux. Cette année, tu sais ce qu'elles ont fait? Comme eux, ils ont eu les lentilles, ils ont dit, on va aller là-bas. On va pas aller chez Arnaud ni chez Mathieu parce que ça va, l'année dernière ils ont gagné. Faut pas que ce soit facile pour eux. C'est peut-être ça. Bah écoute. La reprise sera très dure. Ouais. À part mon collègue, on a réussi à faire deux brèves. Ouais, mais tu sais, j'ai vu Jonathan, il a dit de pêcher au gozer alors. Et puis après, truc exceptionnel, un carpo. Mais un vrai ou... Non, un truc qu'il avait pris sur le côté de la gueule. Oui. Moi, il m'avait engamé... Enfin, on l'a pris à deux. Ah, c'est un carpo à deux ? Mais il est gros ou pas ? Non. 200 grammes ? Même pas ? Ouais, tu sais que les carpos, ils ont fait de rendre ouais. En plus, ça va bien. Mais enfin, vous avez deux plaques, ça vous replace bien. Ouais, mais après, les gardons, c'est dommage, ça s'est arrêté. Tu vois, dans deux secondes, il va regretter les lentilles. Parce que c'était quand il y avait les lentilles que ça tournait bien. Non, et puis après, on a eu des fouilles. Bon, il y a deux carpes, t'as raté deux carpes. Trois. Trois. Mais enfin, c'est... Hey, si à fond 9 kilos... Non, mais même avec les lignes à garder, c'est... Ouais, c'est infaisable. Ouais, mais ça devait être une vraie marque. Hein? Commence à tracer jaune. Ouais, ouais. T'as regardé ce qui se passe, non? Quand ils font ça, t'as regardé ce qui se passe? Ouais, non. Mais Olivier était en train de m'expliquer que ça a l'air de fonctionner comme hier, mais à l'envers. C'est-à-dire que... Oh, regarde là-bas, il y en a une qui se marre. Hein. Ça a l'air de fonctionner comme hier, mais à l'envers. Là, c'est rentré en fin de pêche, et là, ça s'en va en fin de pêche pour vous. Exactement. Ils ont fait des gros poissons ici, à côté, ou pas? Non. Moi, j'en ai pas vu. Ils ont fait des gros poissons. Bon. Et là-bas, qui c'est qui est en tête sur le secteur, là-bas, là? En face, pour nous, c'est Dupin et Mathieu. Ouais. Mais il n'y a pas du tout de gros poissons. Ah bon, il en faut deux là-bas? Ah oui, je pense que oui, ça sera des pêches à 4-5 000. Pour les vainqueurs. Hein. Putain, ouais. Il n'y avait pas de poisson au démarrage là-bas. Ouais, mais là, ça tourne à l'envers. La pêche à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, mais. Et t'as plus de lentilles, t'as plus de poisson. Et Joe, là-bas, il en a refait lui, non? Joe, non. Quand je suis passé tout à l'heure, non. Celui qu'on a fait, c'est Thomas, il en a fait une. Et après, Antoine, je te dis, c'est. Il fait pas le même concours que vous, quoi. Ah, une fois, c'est mettre une branlée à un professeur. On annonce 50 000 presque, pour te dire. Non. Ah si. Promis. 50 000. Ah oui. Il y aura entre 30 et 50 000 sans aucun problème. Je crois même qu'il a refait une carpe, on a l'impression. Alors s'il en a refait... Ah. Un petit peu de litou dans la coupelle directement, non? Oh, j'y croyais, t'avais le machin dans les mains, j'ai dit putain. Et non, malheureusement. Et non. Vous avez combien de plaques? Trois, ouais, bah je pense que vous. C'est pour vous la manche pour l'instant, il n'y en a que deux. Non. Hein? Oui. Ils ont que deux brèmes aussi. Non, mais Bernard, ils en ont deux, trois. Oh, ils ont deux. Ah, Bérini ? Ouais. Oh, mais ils sont casse-pieds, ceux-là. Il faut les interdire de concours. Bah, ouais. On est d'accord ? Ouais, ouais,
Donc, ils vont faire un règlement comme quoi les Bérénines sont plus les bienvenus. On est d'accord? Il y a un papier où il faut signer? Ah non, mais je le dis, et puis je risque de le laisser en plus. Pareil? Combien de brèmes? 3. Ah, je m'en vais, je vous tourne le dos, vous les faites. On fait un règlement, hein. Tous ceux qui seront avec les Bérénines sont disqualifiés. Ah, c'est celle, on a refait une autre. Tu sais le poids? Ça? Hein? Non, le poids, je ne sais pas. Bon, bah, je vais aller me renseigner. Je sais qu'il a cassé son épuisette. Oui, alors, bonne nouvelle, j'ai la vidéo. Ah. Et c'est pour ça que j'ai applaudi. Quand vous m'avez entendu applaudir d'en face, c'est parce que je l'ai applaudi quand il a cassé son épuisette. Bon, bah, je suis content pour vous. Mais honnêtement, vous avez eu des renseignements par Antoine ou pas du tout? Pour les brèmes? Non, non. Non, pour rentrer au bord, en bordure. Bah écoute, en bordure, et puis, comme des feuilles. Bah tant mieux. Ouais, une demi-heure. Ouais, mais une demi-heure où je suis pas là. Mais après, tu sais, Kevin, il en a raté beaucoup le pauvre au départ. Ouais. Oh, mais elles étaient, je pense qu'elles étaient loin d'être faciles à faire. Quand tu vois comment ça tirait sur l'élastique, il ne les faisait pas. Il a changé son hameçon et après, là maintenant, j'ai arrêté de les filmer tellement c'était pas drôle. Bah ouais, vous tournez bien là. Alors, notre analyse, c'est que les poissons, ils ont réagi comment? À l'envers là. Hier, ils sont rentrés dans le fond et aujourd'hui, ils retournent vers vous. Ah non, puis, c'est des vrais poissons. Alors, c'est peut-être vous qui allez gagner sur le secteur. Ah bah c'est entre vous, Patureau, et votre voisin. Ouais. Deux brèmes, Patureau, votre voisin il en a trois, et après c'est les petits gardons. Ah oui, puisque vous, vous en avez trois aussi. Ouais, trois brèmes. Il n'y a pas de carassin? Oui, j'ai un carassin, mais bon. Ouais, mais hier, ceux qui ont fait les carassins en face, ils étaient contents. Monte sur la caisse. Déboîte pas. Non, non, mais je ne scotche pas moi. Ok. Elle est scotchée. Ah bah pas trop du tout. Oh merde. Bon, normalement j'étais à Brême, j'étais en face quand tu l'as fait. C'est pas une Brême. Hein? C'est pas une Brême. Ah, c'est la carte de 3,5 kg alors? Ouais. Ah, moi j'étais persuadé que c'était une plaque. Bah bravo. C'est ça qui vous gênait pour les gardons, non? À cause des lentilles. On a l'impression que les poissons ont réagi à l'envers d'hier. Il était parti au fond, il revient vers vous. Je pense que le vent, il aide. Que maintenant, ça s'éteint au fond et ça revient par ici. Voilà. Bon. Sur ce. Il y a 3,5 kg. Vous avez refait une carpe, il paraît? 4. Il y a combien de poids déjà alors? 4 poissons, on va avoir 30 kilos. Ton papa vient d'en rater une. Là, on vient de faire. On a fait un doublé tout à l'heure, c'est con, vous avez dit. J'ai une de 11 et Kevin une de 6. Comment? 1,
T'as entendu que ton papa en a raté une ?